Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Transportuber 2, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est donc, vous voyez ici, à Gare de Lyon, premier train qui démarre depuis la Gare de Lyon pour rejoindre Dijon dans un premier temps et puis ensuite Troyes. Donc on est avec notre petite 7200 accompagnée de ses corails réversibles, donc là du coup on doit être dans la voiture réversible. Bon, on n'a pas le bruit de la loc, c'est dommage. À droite, le train qui attend qu'on lui laisse la place. Et donc on est parti. Alors on quitte la gare de Lyon tout doucement, hein, 30 km/h comme dans la vraie vie. Et on va aller jusqu'à Dijon avec notre PLM, la première partie de notre PLM. Et à terme, donc ces trains iront jusqu'à Lyon. Donc on peut prendre de la vitesse, c'est bon, on a dégagé les aiguilles de la gare. Donc là à droite, notre LGV. Donc là, la courbe est limitée à 140, puis ensuite on sera limité à 160. Bon, sachant qu'on s'arrête à 3 au milieu, donc on n'aura pas le temps d'atteindre une vitesse folle. On atteint les 140 km/h tout de même. Ouais, et puis on va devoir bientôt freiner. Il y a déjà quelques personnes ici qui attendent le train. Donc voilà, on fait pile poil, enfin pile poil, quasiment pile poil la longueur du quai. Hein. Voilà, on rentre quand même bien à quai, donc c'est bon. Et on repart maintenant en direction de Dijon, le prochain arrêt de l'autre côté des montagnes qu'on a en face de nous. On atteint une nouvelle fois les 140. Le grand tunnel. Et on va déboucher derrière. Donc on ralentit hein, et puis derrière on débouche sur la ville. Donc là on ralentit à 60. Alors le 60 commence un peu tôt quand même. Et voilà, et on arrive en gare. Bon ça, j'aime bien le style de la gare de Dijon, je l'aime plutôt bien. Et on arrive donc en gare, terminus du train. Enfin, terminus provisoire, bien entendu. Oui, le 60 ici, il commence un petit peu tôt, alors on peut peut-être corriger ça. Donc on va prendre nos voies à 160. Donc on va aller à 160 jusqu'ici. Voilà, jusqu'au maximum qu'on puisse, hein. Voilà, jusqu'ici. On va commencer à mettre les petites pancartes, tiens. D'ailleurs, il y a un nouveau mode de pancarte qui était sorti. Je l'avais déjà utilisé dans la fin du précédent LP, mais on va l'utiliser. Hein. Donc là, une petite pancarte R. Ici, une petite pancarte Z. Ah, il y a déjà un autre train qui arrive, donc. Plutôt rapide. Ouais, on va même mettre... Voilà, plutôt une pancarte comme ça. Voilà, moderne, gauche, tac, pancarte Z, oui. Ah, pourquoi il n'y a pas marqué la pancarte Z de type carré. Voilà. Ok, nickel, nickel. Bon, le but dans cette vidéo, donc, ça va être de raccorder notre, déjà notre autoroute et faire un peu notre réseau routier. Mettre un bus qui va relier Chaumont à 3, ou alors je verrais bien aussi un bus qui relierait Auxerre à 3. Je pense que ça peut être pas mal, ça peut peut-être amener un peu plus de gens aussi dans mon RER, sachant qu'ici à Auxerre j'avais fait un petit réseau de bus qui permet de un peu mieux desservir la ville, ouais, d'amener un petit peu plus de gens à notre gare tout simplement. Mais bon, déjà on aura une route de toute façon ici. Bon, en tous les cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener notre autoroute. Et comme ça, au fur et à mesure, on verra bien où est-ce qu'on mettra des entrées-sorties. Là, si je vais sur du tout droit, ouais, en vrai, ça passe. Le but, c'est que mon autoroute, elle aille à Dijon.
Le but c'est qu'elle aille à Dijon, et enfin de toute façon c'est l'autoroute qui ira jusqu'à Marseille. Donc le but c'est vraiment de suivre ma PLM, et je pense qu'ici on fera à Dijon une branche qui ira vers Mulhouse. Donc, ici, effectivement, je pense qu'on va plutôt passer là au milieu. Et comme ça, on mettra une sortie permettant de relier à la fois 3 et à la fois Auxerre. Voilà, on reliera les deux villes, ce sera pas mal. On va peut-être commencer par mettre la sortie, tiens. Pour changer un peu, on peut mettre une sortie comme ça. Alors, on va la mettre, au milieu, un peu au hasard presque, hein. Là, la route d'Auxerre, elle arriverait là. Comme ceci, ouais. Voilà. On la met un peu au hasard. Voilà. Et j'aimerais bien rester globalement sur du plat. Traverser ici comme ceci. Ouais, pourquoi pas un tel pont. Alors, on va utiliser comme d'habitude... on peut peut-être changer de pont quand même, c'est vrai. Allez, pour une fois, on va utiliser ce pont-là. Ça changera. Là, on passe comme ça sur la PLM. Là, on va un peu... Le talus, on va venir un peu plus proche. On va venir jusque là en talus. Là, ensuite, on passe sur l'eau, ok. Et à partir d'ici, voilà, on va aussi revenir en talus. Histoire de pas trop abuser des ponts. Ok, là on aurait donc le lien avec 3 et Auxerre. Et on continue ensuite. Donc on va continuer, voilà, comme ça un peu sur la gauche. Voilà. Et on va continuer donc en direction de Dijon. Et alors ici, alors bonne question ensuite ici, comment on relie? On va déjà mettre la route, ma petite route nationale, départementale, je sais pas trop ce que c'est, mais la petite route qui va relier nos deux bourgades. Ouais, qui relie nos deux morceaux de ville comme ceci. Hop, et là... Alors là, effectivement, il faudrait qu'on arrive peut-être ici. Peut-être comme ça. Ouais, comme ça, allez. Et là, on va mettre un vieux pont. Ouais, ça me plaît plutôt bien. Ça me plaît plutôt bien. Alors là, on va creuser un peu la montagne. Hop. Voilà. On améliore un peu tout ça. Ok, et puis on mettra de la forêt également après. Et puis là, on peut faire un truc comme ça, voilà, hop. Alors, on va peut-être pas mettre en player ownership quand même. Voilà, juste comme ça. Vous voyez, on relie tout ça. Tac, tac, tac. Nickel. Donc là, on a ça, qui permet d'aller directement dans Paris. Là, on peut relier à Château-Thierry et à Melun par cette petite route. On peut voir que c'est déjà en train d'être utilisé. Donc c'est bien. Même là, voilà, on va améliorer ici. Et alors ici, comment on fait ? Là, donc on a dit qu'il nous faudrait un gros truc comme ça. Nous permettant d'aller d'une part à Besançon et Mulhouse. Et en bas, les Zurich par extension. D'autre part, d'avoir une entrée dans Dijon et ensuite continuer vers Chalon et Lyon. Alors, est-ce que l'autoroute, je la mets plutôt de ce côté-là de la ville ou de ce côté-là? On va dire que, logiquement, il faudrait plutôt que je sois de ce côté-là de la ville, on va dire. Ah, mais ça, c'est vraiment affreux. Là, la ville de Dijon, elle est vraiment affreuse. Il faut vraiment que je m'occupe de mettre bien les routes au propre. Parce que là, le jeu, il me fait des dingueries. Le jeu nous fait des dingueries et c'est pas super, hein, du coup, les dingueries du jeu. Ah, déjà, on va un peu creuser, hein, on va un peu creuser la montagne, encore une fois.
Parce que là, sinon, c'est pas possible, quoi. Voilà, hop. On va déjà un peu faire ça. Ça sera déjà un peu mieux. Ouais, bah, mon autoroute... Il faudrait que, ouais, je passe comme ça. Mais j'aimerais bien qu'en fait... En fait, j'aimerais bien que, vous voyez, on ait une ligne droite qui permette du coup de couper Dijon sans s'arrêter, une qui permette du coup de tourner vers Besançon, et une sortie qui permette d'entrer à Dijon. Mais du coup, il faudrait que je me place par là pour pouvoir faire ça. Donc à ce moment-là, si je mets juste une autre branche d'autoroute qui va à Besançon, je vais plutôt faire utiliser ce mode-là. On va enlever cette série là. On va plutôt faire en deux parties, ouais. Plutôt comme ça. On va tout casser. Ouais, ici on va se mettre. On va se mettre à la hauteur de la gare, tiens. Hop. Oh, quoique, on peut se mettre un peu plus haut. Donc là on aurait une branche de l'autoroute. Comme ceci. Donc là, soit on fait comme ça et on va vers Lyon, ou alors là, l'autoroute qui démarre pour aller vers Besançon. Derrière ça, il faut qu'on mette un raccord pour la ville, hein, du coup. Hop, comme ça. Ok. Donc là, comme ça, ça nous fait une entrée pour la ville. Et là, ensuite, on partira... Ici, en pont. Ça, est-ce qu'on reste sur du... Non, on va pas rester sur du plat du tout. On peut même... Alors, on va directement passer de l'autre côté. Voilà, comme ça. Alors, du coup, c'est un peu moche. Ouais, c'est un peu moche. Parce que on descend pour remonter derrière. Voilà, un truc comme ça. Sachant que là, donc, ma courbe, on la mettrait sur du talus. Là, effectivement, on garderait un pont. On va prendre le pont autoroutier, pour le coup. Ce sera mieux. Ouais, ouais, allez, un truc comme ça. Même en vrai, il faudrait que j'allonge un peu le pont ici, quand même. Voilà. Ouais, allez, un truc comme ça. Donc, ici ensuite, il faudrait aussi qu'on ait une sortie permettant de se relier dans la ville là. Donc, on va faire pareil. Ouais, on se reliera difficilement dans la ville, mais bon, on va faire comme on peut. Et ensuite, là, on va couper... En tunnel, la ville, parce que de toute façon on n'a pas le choix. Voilà, tunnel jusque là, et là on repasse à l'air libre. Et là on va encore se mettre une entrée dans la ville. Est-ce que je suis bien droit? Ouais, je suis quand même bien droit. Ah, là, je crois que je suis pas tout à fait aligné. Ouais, je suis pas aligné comme il faut. Ok. Là, c'est mieux. Et avec toi, on te relie là. Allez, bah, va pour ça. Là, ça me propose un petit pont. Je suis presque tenté de faire du talus, honnêtement. Quitte à supprimer un petit peu d'eau ici. En vrai, ouais. En vrai, je serais tenté de faire comme ça. Ok, comme ça, ça nous fait une entrée dans la ville ici, une entrée là, une entrée là. Ensuite, toi, tu vas continuer donc vers Chalon.
Voilà, toi tu continues vers Chalon et vers Lyon. Même, je serais presque tenté ici de changer de rive. Après, à Lyon... Ah, ils ont mis Valence sur la rive droite du Rhône, super. Ouais, l'autoroute, elle sera ici. Hein. L'autoroute, elle sera ici. Donc là, en vrai, il faut que, après Dijon, je change directement de rive. On peut rester, genre, comme ça. Comment on va faire? On va aussi mettre la, je pense, l'entrée ici à Chalon. Enfin, du coup, la sortie d'autoroute, ouais. Vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. On va aussi utiliser celle-là. Du coup, on va la mettre en mode pays. Ouais, pour avoir une meilleure route. Ouais, on va la mettre comme ça. Et puis ici, ouais, on relierait à peu près comme ça. Voilà. Et on se met un grand pont autoroutier ici. Donc là, c'est pareil, on va mettre un peu plus de talus. Bon, le jeu le met de lui-même. Et même là... Voilà. Hop. Ok, bon là il va falloir qu'on fasse des grosses améliorations bien entendu. Donc cette route là de toute façon on va la supprimer à terme, il n'y aura plus que l'autoroute. Sinon les gens vont jamais utiliser mon autoroute si on laisse les petites routes de campagne. Et donc là ça nous fera un lien avec Chalon-sur-Saône. Là, c'est pareil, ça, cette route là qui va à Lyon on va la supprimer. À terme il n'y aura plus que l'autoroute. Et comme ça, là, à Lyon, enfin, pour aller à Lyon, voilà, on pourra ensuite passer sur la gauche de la ville, hop, et on verra ensuite comment on développe tout ça, mais grosso modo, là, on devrait pas être trop mal, ouais, là, on est pas mal. Ok, donc on va juste se mettre ça pour avoir l'idée. J'aime plutôt bien, et là, toi qui permet d'aller à Besançon... Là c'est pareil, je pense qu'on va directement se mettre la sortie aussi à Besançon. Cette route là elle amène où? Elle amène à Genève. Ah bon, pour le coup la route qui amène à Genève je pense qu'on va la garder. Bah on va faire une sortie là permettant de relier cette partie du coup. Donc on va se mettre voilà, un peu plus haut. Donc là on va utiliser une grande route. Voilà, pour faire le lien entre les deux. J'ai même envie de faire un truc un peu mieux que ça. Je pense que le jeu pourrait me proposer un truc un peu plus joli. Voilà, je préfère. Hop, hop, hop. Là, on va... Alors, faudra voir après comment on met la gare aussi. Hein. Voilà, mais du coup, on va traverser la ville. Il faudra qu'on cale la gare par là-dedans. Hein. Mais voilà, l'autoroute passerait quand même assez proche de la ville. Et la gare, du coup... Ah ouais, comment on cale la gare là-dedans si on fait ça? Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça et on verra après. Et là, donc, on aura... On va mettre ça à plat. Là, je verrai bien un rond-point. Voilà. Je verrai bien un rond-point. Un assez gros rond-point, quand même. Genre de cette taille là, hop. On va garder, oui on peut garder une grosse rue pour mon axe qui va là dans la ville. Voilà, on garde une grosse rue pour cet axe. Et là donc ma route qui arrive de Genève. Qui est assez bien, donc on va la garder. Et qui va ensuite ici même vers Berne. Ok. Et puis là, donc on peut aussi raccorder hop, cette rue de ville. Et ouais, bah au niveau de ma gare, c'est vrai qu'il faut qu'on étudie ça. On verra à peu près comment on peut faire. Hop. Bah, limite en vrai, je serais tenté de dire... Ma gare, on la met de l'autre côté de l'autoroute. Alors effectivement, on sera pas directement dans le centre-ville de Besançon.
Mais dans l'optique où l'autoroute couperait en deux la ville de Besançon, ça peut être pas mal. Alors, il aurait presque fallu que j'utilise le mode City, du coup. Enfin, la version City pour cette sortie-là. On va corriger et on va le faire. Vous voyez, si je me mets en mode City, c'est-à-dire qu'on a... Ouais, on est en pont. Donc, toi, je peux te remettre à zéro. Ouais, vous voyez, hop. Voilà, ça fait une petite bosse, mais c'est pas gênant. Je vais mettre le terrain à la hauteur, ouais, ici, hop. Donc là, ça me fait du pont. On va prendre toi, toi, toi. Alors, du coup, c'est moche. Ouais, c'est mieux. Donc là, vous voyez, on aurait dans l'optique un petit pont. Et je pense qu'on peut même mettre une autre sortie. Alors, peut-être plus petite. Avec une plus petite route, voilà, par là. Voilà, comme ça. Ouais, j'aime bien. Et du coup, on trouverait la gare de ce côté-là. Bon, on tracera après la gare, mais dans l'idée, voilà, on garderait cet axe majeur et qui viendrait là, hop, et ici, on aurait le devant de la gare. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ça semblerait assez logique, comme ça ma voix, vous voyez, elle vient ici. Ouais, c'est pas mal. Et on mettra après des transports en commun, du coup, pour relier tout ça. Donc, ensuite, au niveau de Dijon, parce que quand même, le sujet principal, c'était Dijon, à la base. Là, comment on va relier ça? Cette route, elle va où? Cette route, elle va là-haut. On s'en fout. On peut l'enlever. Ça, on peut enlever. Donc, on va garder cette route-là pour relier à mon autoroute. Alors, comment est-ce que ça rend? Évidemment, ouais, un truc comme ça, ça va être moche. Bon, ça monte beaucoup, mais ça va. Ok, donc là on partirait sur quelque chose comme ça, et idem de ce côté-là, hein, il faut qu'on parte sur quelque chose qui monte dans ma ville. Voilà, par exemple, qui monte ici. Du coup, on monte un peu pour redescendre. Voilà. Comme ça. Donc là, on va hop, terraformer ça. Voilà, voilà, voilà. Hop, 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 hop. Donc là, on a un premier raccord. Ici, toi... Alors, ce qu'on va faire... Là, on fera du gros terraforming ici, voilà. Hop, tu vas monter comme ça. Tu vas monter là, de manière à ce que la ville puisse se développer là, au-dessus de mon autoroute. Vous voyez, j'aimerais bien que la ville se développe là. Et comme ça, ça sera un peu mieux. Donc là, genre, on va creuser ça comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, on creuse ça n'importe comment, hein. Donc là, on doit être à peu près là-dessus. Ouais, on est sur une montée comme ça. Ah, je suis plus droit. Et le but étant d'arriver ici. Ah, là, ça me propose un truc pas mal. Ouais, ici, ça me propose un truc pas mal. Qu'on valide. Ah, non, je l'avais. Ici. Et ça, c'est vraiment bien. Bon, ça, on re-terraformera plus tard. Hein. Comme ça, là, dans l'idée, voilà, c'est juste histoire que ensuite des quartiers se construisent par là-dedans. Hein. Vous voyez, ici, voilà, on a une belle place, là, pour que des quartiers se construisent. Ensuite, toi et toi, comment on relie ces deux morceaux-là dans ma ville? Là, évidemment, il n'y aura pas de rail, enfin, il n'y aura pas de route, parce que après, il faut que mes rails passent par là pour passer sous l'autoroute. Ici, bah, en vrai,
On peut utiliser toi comme ça. Voilà. On peut faire ça déjà. Même... On va faire autrement. On va faire toi ici en ligne droite avec un petit rond-point. Voilà, toi avec un petit rond-point. Et avec, du coup, des routes qui viennent ici. Et ici. Et toi, bah toi, je vais voir en off comment on peut faire. Mais voilà, dans l'idée, après le but c'est que du coup ma ville puisse se développer un peu mieux ici. Là, dans le creux qui reste, peut-être un peu par là. Et voilà, en tout cas on aura bien avancé quand même. Là, 3 pour l'instant, je pense que je vais pas changer grand chose. Je peux laisser le jeu en play. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Moi, je donne rendez-vous dans le suivant. Je pense que, donc, évidemment, hors vidéo, je vais finir de bien aménager cette zone parce que c'est vraiment un casse-tête. Et dans les prochaines vidéos, il faudrait qu'on s'attaque à Maline qui va à Clermont-Ferrand. Il aurait bien commencé à m'y attaquer. Voilà, ça fera pareil une autre ligne qui irait à Paris-Gare de Lyon. Et ensuite, on va s'attaquer à notre nord de la France, à toute la région Hauts-de-France là. Il faut qu'on relie un petit peu toutes nos villes. J'ai bien envie de m'y attaquer et de m'attaquer à la Belgique. Du coup, merci d'avoir suivi cet épisode. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Salut tout le monde, c'était Léo. A plus.